En fait, ça dépend qui va utiliser le produit Rockland. Moi, je fais la distinction entre un investisseur qui va avoir avec le Rockland et notamment la gamme VRS une durabilité minimum de 10 ans. Ensuite, pour l'applicateur, c'est surtout une facilité d'application avec la crème que nous arrivons à générer quand on applique un produit Rockland. C'est ce qui fait la différence par rapport à beaucoup d'autres produits. Et choisir pour un architecte, par exemple, c'est aussi pouvoir utiliser maintenant la conception avec le BIM. Sur la maintenance, on fait attention à ne pas utiliser de solvant du tout. Et donc d'être dans une génération de produits de maintenance qui sont beaucoup plus entre guillemets naturels, mais qui font attention à ne pas agresser le sol environnant, mais surtout la partie déchets que l'on jette à l'extérieur. Sur la question de l'environnement, on est très sensible. Depuis quelques années, on a entamé une vraie recherche sur la capacité à utiliser des ciments composés, donc qui polluent beaucoup moins. Et surtout de passer des tests qui démontrent que nos produits n'ont pas de COV et qui, par rapport à ça, permettent d'obtenir des certificats et notamment des LEED.